Bonsoir et bienvenue dans le stream des mouchoirs, des yeux qui coulent et des boulettes. Ou comment jouer à des shmups quand t'es enrhumé. Et aujourd'hui, on va continuer l'exploration avec Aerofighters. Aerofighters qui se décline en quatre saveurs, le 1, le 2, le 3, le 4. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un remix qui est sorti. Bon, on verra bien. J'ai pas les ROM de toute manière. Nous, on va regarder le premier Aerofighters. Qu'est-ce que c'est? C'est un clone. Un clone de Raiden et Elite Tiger et tous ces trucs. Merci le plantage MAM, je m'en serais pas douté. Ça fait 40 000 fois que tu le fais. Mais c'est tellement original là, que. Même pas, je m'offusque. Et donc, un clone de Raiden, Elite Tiger et compagnie. Donc, scrolling vertical, les petits bonus, les bombasses. Que du classique. Il date de 92. Donc, les gars. On n'a pas inventé l'eau tiède. Ceci dit, parmi ces copies de copies, de recopies, de recopies inspirées d'eux, il y a quelques titres qui tirent leur épingle du jeu et sur une jouabilité qui est tout à fait recommandable. Et c'est le cas de Hero Fighter, c'est pourquoi je vous fais voir aujourd'hui des sous, tiens. Yes, take my money. Je suis japonais, suédois, anglais. Non, je suis américain, car un américain s'appelle Keaton, toujours. Et Keaton, il chasse, donc Burster, Keaton. Ok, on n'est pas dimanche, j'avais dit que je ne faisais pas de jeu de mollet, mais. J'ai souvent du mal à me retenir, en fait. Piu-piu-piu-piu-piu. Salut les gars, je peux avoir un tir moins pourrable que ça, là? Ça peut crever, ça? Non, si, mais c'est bon, ok. Je peux avoir un tir encore moins pourrable. Parce que là, ça va être pénible, et long, et douloureux, et plein de peine à la fin. Non, pas de bonus, ok. Ah, c'est pas pire pour moi, ça s'en donne. Oui. Donc, le truc classique, hein. On récupère les bonus, on agrandit le tir. Une fois que le tir est à fond, bah, on se fait bien plaisir, parce qu'on a quasiment juste à esquiver du fond du bas de l'écran tranquille, entre guillemets. Et donc, faire crever quand même. Moche. Wow. C'est qui disait pas faire de conneries? Ah oui, moi. Eh, il y a un moment, faut arrêter, les gars. Voilà. Et donc, quand on crève, bah, logiquement, on perd son équipement, mais on a quelques secondes pour vite le récupérer. Et du coup, se refaire un tir potable. Oula. Parce que le piou 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 quand on repart, ça fait toujours un petit peu mal à la fierté. À moi, les sous. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce titre? Pff, rien, c'est du classique. Mais bon, il est agréable à jouer. Donc, on va pas lui inventer des défauts qu'il ne porte pas. Il est tout à fait équilibré, jouable. C'est un truc à essayer si vous n'avez pas été de cette époque. Je vous promets pas que vous allez vous éclater à fond, mais bon, il y a assez de petits trucs marrons, de patterns différentes pour s'occuper un petit moment. Et le principe de l'arcade, c'est pas d'autre que ça. Je vous pose la question. Il me faudrait une assistante mouchoir pour mes streams ces temps-ci, je pense. Assistante mouchoir! Voulez-vous bien? Alors, pourquoi l'assistante mouchoir serait costumée en soubrette? Ah, ça, c'est une bonne question. Et on développera la réponse lors d'un autre stream, si vous voulez bien. Parce que là, pour l'instant, je sais pas si vous avez remarqué, je suis en guerre. Et je chasse l'ennemi, l'Ostrogo, et tous les autres butors du même calibre, hors de mon territoire. Ça me rappelle un petit peu avec les collègues quand on était au Koweït, quoi. Qu'est-ce que ça fait du bien de dire d'un web pendant un stream? Non, donc cette bombe, je vais la prendre. Ah, mais elle s'est barrée. Elle se barre à force. J'aurais dû noter le détail quand même, parce que là, du coup, j'ai une bombe dans le baba. Une bombe dans le baba. Oui, ah! Une bombe! Ah! Tiens, dans ta gueule, celui-là, parce que. Ah non, faut arrêter. Ah, je me suis craché dessus, quel dommage! Donc je ne pourrai jamais récupérer mes bonus, c'est ce que tu veux dire en fait, gros.
sauf quand ils seront périmés et que tu vas me les faire sortir de l'écran. C'est pas, ils se disent bâtard. Alors, ça, c'est un défaut du jeu, on va dire. Parce que, quand même, te balancer les bonus sous le pif, tu peux pas les récupérer parce que t'es pas à la hauteur. Y a de quoi vous frustrer plus dans le monde. Je volerai partout, tout le temps. Si ça, c'est pas un Américain, franchement, j'y connais rien, quoi. Regardez-moi ça, les immeubles qui explosent. Alors on ne sait jamais lesquels, mais il y en a qui explosent. Il y en a donc qui servent d'obstacle. Mais bon, ça c'était la petite tendance. Une fois qu'on a commencé à maîtriser les shmups dans les années 80, qu'on est arrivé sur les années 85, les gars se sont rendus compte que les petits trucs qui bougent à l'écran tout seul, c'est marrant 5 minutes, mais si on fait pas un effort sur les décors, les gens vont vite lâcher l'affaire. Et là, ils se sont lâchés quand même. Il y a plein de trucs, des petites voitures qu'on peut péter. C'est assez généreux. Mourirai-je ou ne mourirai-je pas? Oh, qu'il est joli. Cette forme-là, ça a été repris de nombreuses fois. Je crois qu'il est dans chacun des épisodes de la série, d'ailleurs. On le voit avec des pattes, avec des chenilles. Ah, voilà, c'est le truc de building qui font obstacle. Peux-tu bien mourir, s'il te plaît? Oh là, là, tu vas me faire une gueule là. Crème au beurre. Ah ben, nous continuons. Hein. Dans la joie et les rotations. Oh. 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 Mais j'aurais pu avoir mal. Dis donc. N'aurais-tu pas des intentions délictueuses, en fait? Un petit peu, hein. Je me jette sous les boulettes avec ce jeu, c'est assez rigolo. Mange. Cadeau. Oh, c'était un demi-boss en plus. Non, c'était un boss. Oh, j'espère ne plus avoir à revenir ici. Ben, si. Regarde, tu vas au comptoir, tu prends un petit blanc. Tu reviens, ben, le jeu il est terminé. Et il va te dire, on remet des pièces. Et comme par hasard, tu vas refaire exactement la même séquence. D'ouf. Qu'est-ce que tu m'as montré, toi? Je peux avoir mes bonus, les gars. Des bonus, vous barrez pas. La galère pour récupérer du bonus, c'est hallucinant. Non, 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 ça passait pas. Et en plus, il s'est barré, du coup, l'autre. Je suis dégoûté. Et du coup, c'est bien, ça fait partie du jeu. Ton bonus, il rebondit X fois sur le bord de l'écran, mais si t'as trop été lent, tu l'as dans le dos. Je vais passer comme ça. Je suis pacifique, moi, monsieur. Eh oui. Et vie. Enfin, jusqu'à lui. Lui, je crois que je vais plus être très pacifique, puisqu'il m'a pas l'air super amical. De là, ce qu'il ait des intentions qui soient assimilable à des procédures guerrières. Je me demande si c'est pas le cas. Oups, j'ai trop hésité. Oh, mais monsieur est un transformeur. Alors, les patterns sont pas très très vifs, mais ils sont assez nourris. Et vu que la vitesse de votre bousin est relativement lente, le tout était bien équilibré, quoi. Pff, arrête ça. Donc je vais être condamné à regarder mes bonus sauter en yo-yo par-dessus la bestiole sans pouvoir jamais les rattraper. C'est un peu ça, ouais. Quel calvaire. Mais contre qui me bats-je? Eh oui, me bats-je. Fais du reconnaissage de ton conjugationnage. Oh. Alors, comme Raiden et compagnie, j'ai jamais trop compris, à part ton score, à quoi servaient les petites étoiles ou les dollars qu'on trouve comme ici, par terre, sur le sol. Tout le monde a bien l'idée que c'est fait pour scorer. Mais la phrase qui ne se figera jamais. Tout ça parce que je voulais attraper mon bonus, mais quelle horreur. Mais du coup, il n'est pas très explicité à quoi servent ces
saturé de trucs qu'on a, de bonus qu'on a au sol. Quoi. Si c'était marqué clairement, t'en ramasses 2000, c'est comme dans Sonic, avec les anneaux, t'as une vie gratuite. Ça aurait peut-être pu motiver son monde. Parce que moi, le truc là-haut, là, je vais pas chercher dans les colis. Ah oui, regardez le petit mec. Et puis il s'est barré. Oh, il s'est barré. Le nombre de bonus qu'on laisse se barrer pendant ce jeu, c'est juste incroyable. Non, je vais là. Non, je vais là-bas. Eh ben non, il fallait pas que j'aille là-bas, justement. Et je sais, mais c'était pour tester les gens qui suivent. Tu. Donne-moi ce truc. Ouais, non, mais foncer dessus comme ça, moi je peux te le faire aussi, si tu veux. Voilà, prends ta gueule. C'est un poil speed là, les gars. On va dire ma fameuse excuse, la numéro 17B. C'est l'émulation, elle est trop rapide, les enfants. Je ne peux pas contrôler exactement le vaisseau comme je souhaitasse. Puis là, il commence à tirer un peu fougueux. Hein. Et puis quand il a 2 pixels de moi, forcément, j'ai pas trop de place pour me débattre et j'ai pas trop le temps de réagir. Je peux voler de partout si on me le demande âge. T'es bien américain, t'es bien. On va te garder. C'était quoi son nom déjà? Piou, piou, piou! Décors qui sont vraiment bizarres. Oh là, oh là, oh là, oh là. J'ai le Kremlin qui m'envoie tout son attirail secret. Ça va pas le faire. Ah, calmer ce petit monde là, parce que je crois qu'ils sont pris un petit peu au supermarché du coin. Putain, mais c'est quoi ce bordel sur l'écran là? Il y a des bonus de partout. Il y a ce truc qui me suit. Il y a l'hélico Mio qui me fout le Bronx. Et il faut que je récupère les bonus avant qu'ils disparaissent, mon de Zeus! Je suis malheureux, mais là je fais que de la bombe. Je suis désolé, mais ça va très mal se passer. Et terminer dans d'affreuses douleurs. Ah, donc ça, si je les nique pas, ça me tourne autour après. Ok. Donc faut vraiment les défoncer. Sinon, on se met dans des situations critiques tout seul. Ok, je note. Oui, ne vous attendez pas à un super play là, je suis vraiment pas dedans. Ouais, oui, il y a pas un copain. La vitesse des tirs, non, je suis désolé. On est en émulation accélérée là, les enfants. Il n'y a pas de moyen humain d'esquiver ces lâchers de boulettes. Un petit peu rageux. Et on a ça. Bon, faut dire, je cherche un peu en restant pile en dessous. Mais. Voilà. On va passer les crédits et puis on va s'arrêter là. On va dire que le jeu a gagné, j'ai perdu parce que je suis très très fair play malgré tout. Puis il faut bien que le jeu gagne de temps en temps, sinon on n'aurait plus cette motivation d'y revenir en se disant toi vieux pixel, je t'aimais bien. Il faut que je revienne t'acquitter ton. Regardez-moi ça. Non mais ça je peux pas esquiver, c'est pas possible. Soyons réalistes 5 minutes. Oula, oula, regardez comme il bouge. Il a piou, 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 piou. Oui, non, mais moi je mets une bombe là. Mais t'es pas possible, te ton des naniennes? Bah oui, des naniennes de Népasse. Oula, oula. On va pas être potes, les gars. Les gars, ça va pas le faire. Non, non, non. Alors, si vous continuez de me tirer dessus à cette vitesse-là, moi je ne peux pas. Là, j'essaye là, mais voilà. Piu, 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 piu. C'est trop rapide. Donc, c'était Hero Fighters, le petit stream à la rage du jour pour vous faire voir toutes les beautés et merveilles qui existent en shmup. Si ce genre-là vous plaît, on va pas le mettre dans le top parce qu'il y a encore mieux. Mais ça, je vous le ferai voir dans un prochain stream. Mais notez qu'il est parfaitement jouable et il a le droit d'être cité dans les jeux d'époque qui ont permis de faire évoluer l'univers des shmups. Hop, hop. Je vous fais des bisous. Je peux vous annoncer directement que le prochain stream ne
parlera pas de recherche sur l'ablation de l'estomac. Et je vous embrasse, à bientôt. Ciao!